Cela étant dit, le grand-père des ancêtres, il est venu, il était dans les trous, il est venu, il maîtrisait les secrets de l'eau. Parce que lui, après le Mandé, il est parti jusqu'à Gao, il a continué par Djenné, il a continué par Djafrabe, et il est venu dans le bosquet appelé Tchaïkri. Donc, la famille qui maîtrise le secret de l'eau, de Djenné, ça c'était mes aïeuls qui étaient à Djenné. Après, il a été chassé là-bas, compte tenu de son pouvoir de l'eau. Il a continué jusqu'à dans le trou. Bon, maintenant, ici, il maîtrisait les génies d'eau. C'est pourquoi il a pu être accès à l'eau. Il maîtrise. Et il a commencé à descendre à la pêche. Mais lui, son cas était particulier. Un cas particulier de mon ancêtre. Qu'est-ce qu'il a fait? Amr Sikou de Hamdallah était malade. Il fallait lui traiter avec un œuf d'un crocodile. Chevo Amadou a envoyé ses envoyés partout. On n'a pas reçu. C'est arrivé à Youwarou qu'on a parlé d'un type appelé Taka Hantaka. Taka Hantaka. Oui. Le Taka Hantaka, il est venu lui trouver entre Sabare et Djonguri. Il portait un cassa noir, un boubou cassa noir. Il a demandé qui est Taka Hantaka. Il dit effectivement c'est moi. Il a trouvé, il est assis sous l'arbre, il dit c'est moi. Bon, j'ai Amr Sikou qui est malade. Il fallait l'œuf d'un crocodile. Partout il a passé, il n'a pas trouvé de solution. Lui, il veut voir le Taka Hantaka qui se trouve à Djonguri pour le rencontrer et discuter avec lui s'il a des moyens de pouvoir le faire ce travail-là. Il dit effectivement c'est lui. Mais il dit qu'il va voir maintenant s'il y a un crocodile dans son fleuve. Il a descendu dans l'eau. Il a fait à peu près 2 heures de temps, il est sorti. Il dit que partout où j'ai vu, sauf à Mopti, l'endroit où traverse le bac là, si ce n'est pas là-bas, il n'y a pas un crocodile qui détient des œufs. Et ces deux aussi. Il est sorti, il a informé. Comment la chose s'est passée. Et maintenant, ils ont donné un délai de rencontre. Il y a eu 15 jours. Tu sais, dans la tradition, il y avait des petites espèces d'herbes dans lesquelles on enlève des fibres là. Ce qu'on attache, on attachait. Oui, oui. Oh, oui. Dans le temps là. Oui, oui. Oh, oui. Il a fait ça sur une grande corde là. Ils ont bien fait la grande corde là. Nyama Kone. Ouais, c'est ça. Et Taka lui a dit de venir avec les cordes. Ouais, c'est ça. Ouais, en ce moment-là, on travaillait les Somono avaient commencé par ce système de pêche. Donc ils avaient commencé avec l'arbre là, le Bohinya. On fait comme ça, des tasses comme ça. Il a fait. Et ce Camodou, il est venu avec 12 chevaux. Ils sont venus, on a cherché une pirogue, on est rentré, il est descendu dans l'eau. Parce qu'il est descendu, il a trouvé le crocodile là-bas, il l'a attaché au cou, et on a tiré, et lui, en dessous, il a enlevé l'œuf. Et il a remis ça, et ce qui a traité, c'est pas mal. Ça, c'est une légende qui est jusqu'à Yoru. À partir d'ici, jusqu'à Youwarou. C'est une légende qui est là jusqu'à Youwarou. Bon. Ensuite, il y avait eu un hippopotame qui avait coupé entre Youwarou et Waladou. Entre Youwarou et Waladou. Aucune peur ne passe. Là aussi, on a publié ça partout. Il a fait le déplacement. Il est parti. tout Youwarou est descendu. Il a fait sortir l'hippopotame dans l'eau. Il a dit de se coucher, et il a ordonné de le tuer. On l'a tué. Les bozos, cette situation qu'on n'a jamais vue, les bozos aussi lui ont jeté des cortèges, c'est-à-dire des malaises lui permettant de ne même pas atteindre Djéuri. C'est à Sabare qu'il est décédé. À Sabare ici. Là. Donc cela veut dire que l'hippo, il a tué l'hippo, il n'a même pas atteint ici. Donc, ce sont des situations actuellement que nous maîtrisons. Donc, si je comprends bien, non seulement c'est le pouvoir que vous aviez sur les êtres qui sont dans l'eau, mais compte tenu des anciennes preuves qui ont été montrées également, des preuves qui ont été montrées, non seulement à Chevo Amadou. Donc ce pouvoir, non seulement c'est traditionnel, mais également il y a même le fait de traiter vraiment le chef de la Dina, donne plus de pouvoir au... Et lui aussi, il a donné des bénédictions. Et partout là où on est à mesure de maîtriser les eaux.